comment ça va aujourd'hui? Les nouveaux éléments devraient être installés pour la première séance d'essai libre. Voici le rapport d'usine. Bonjour à tous et bienvenue dans la quatrième manche de ce championnat de Formule 1 2016, direction Sochi. Nous sommes sur le fascinant circuit russe, le Sochi Autodrome, pour ce qui promet être une course palpitante, puisque nous démarrons cette séance d'essai dans des conditions humides et donc potentiellement difficiles. Ces dernières semaines, on a beaucoup parlé des limitations du circuit. Sont-elles trop sévères si vous coupez un virage ou en cas de sortie de route, par exemple? Qu'en pensez-vous? Selon vous, est-ce que des pilotes essaieront de voir jusqu'où ils peuvent aller ce week-end? Honnêtement, je serais déçu qu'ils n'essaient pas. Si la direction de course veut sanctionner les pilotes qui sortent de la piste, qu'elle le fasse. Les pilotes de course sont payés pour boucler les tours le plus vite possible. Alors s'ils ne jouent pas avec les limites, s'ils ne prennent pas les meilleures trajectoires, ils ne font pas leur boulot correctement. Toutefois, je reconnais que les lignes blanches ne sont pas là pour rien et que ces limites doivent être respectées. Mais ce n'est pas aux pilotes de prendre cette responsabilité. Premier retour de cette séance d'essai libre 1 avec, vous le voyez, la pluie qui s'est invitée. Et profitant d'un moment d'accalmie, je pars en pneu médium, mais ce n'est pas suffisant. La pluie revient tout de suite et même pas le temps de compléter un tour. Je me dis que je vais rentrer au stand puisque je ne peux rien tirer de cette voiture et surtout de ses gommes. Donc prudemment, j'essaie de rentrer, mais vous voyez, difficile de tenir la voiture. Et la première séance du week-end va se terminer dans le rail, tout simplement pour Stoffel Vandoorne, avec une voiture impossible à maîtriser dans de telles conditions, beaucoup trop de changements et d'adhérence. Et en pleine courbe du premier virage, la voiture m'a échappé et prenant un retour d'adhérence. C'est la première fois que je casse la voiture cette saison véritablement et je ne pense pas qu'on sera très content du côté d'Éric Bouillet. Les participants ayant tous franchi la ligne d'arrivée, je vous rappelle le top 3, Kvyat, Massa et Kimi Raikkonen. Les chronos des essais s'affichent. Il faudra alors patienter pour l'attribution des points. Nous retrouverons bientôt toute l'émotion de la Formule 1. Le vendredi après-midi, deuxième séance d'essai libre de ce quatrième week-end de la saison. Et les choses vont bien mieux puisque vous le voyez, on arrive à compléter les objectifs demandés pour faire évoluer la voiture, toujours dans le but d'être performant pour Monaco. Monaco, cette fameuse course que j'attends de pied ferme puisque j'ai bien l'intention d'aller y glaner mon premier podium lors de cette course, étant aidé par les conditions difficiles et surtout par l'étroitesse du circuit. Vous découvrez la piste de Sochi dans ce tour rapide qui sert à étalonner les pneus super soft, les pneus les plus tendres à notre disposition ce week-end. Vous voyez que ça se passe bien, on y va allègrement sur une trajectoire que j'ai eu du mal à trouver en début de week-end. La McLaren a bien évolué avec une réduction de la traînée, ce qui devrait nous aider en ligne droite, notamment dans le premier secteur et le deuxième, où il y a pas mal de moments où il faut être rapide, et c'est toujours le talon d'Achille de cette McLaren à moteur Honda. Vous voyez donc la piste très étroite à certains endroits, le mur ne pardonne pas en cas d'erreur, mais dans d'autres encablures, eh bien, il est possible d'aller mettre deux roues au-delà des lignes blanches, comme l'autorise le règlement. Les speakers en parlaient en début de retransmission. Effectivement, cette piste est assez intéressante, surtout ce troisième secteur où il y a quelques opportunités de dépassement pour les voitures les plus rapide, deux zones de DRS ce week-end, de quoi donc offrir quelques beaux dépassements. L'incertitude évidemment de ce week-end, c'est les conditions météo avec la pluie qui est venue perturber la première séance d'essai libre. On va d'ici quelques instants découvrir le tableau de cette deuxième séance qui, elle, s'est déroulée sous un grand et beau soleil. La deuxième séance d'essai libre, voilà, vous voyez, le chrono est atteint comme la tarte avec le 9e rang pour l'instant. Et on termine à la troisième place, mais en pneus super soft, ce qui n'a pas vraiment de signification pour l'instant, puisque vous voyez que même Kevin Magnussen termine 7e, ou encore Esteban Gutiérrez 9e. Alonso, lui, était en pneu médium et il termine 15e cette séance. Nous retrouvons le samedi matin avec la troisième séance d'essai libre qui secourra elle également sous un beau soleil. Et vous allez le voir, la gestion des pneumatiques se fait comme à l'habitude. On part en pneus donc soft, la gomme intermédiaire on va dire entre les super soft et les médiums. On va tenter de combler 7 tours avec ces pneumatiques en respectant un delta de performance, donc un temps au tour visé et un taux d'usure des pneus réduit, pour voir comment se gèrent ces pneumatiques afin de gagner des points de compétence qui peuvent nous permettre, on l'espère, avant le prochain Grand Prix qui se déroulera à Barcelone, circuit qui va encore nous poser des soucis avec ces grande ligne droite, du moins on espère que ça ira un peu mieux.
eh bien, nous faire évoluer la voiture. Va-t-on faire évoluer l'aileron avant, ce qui serait très intéressant pour Monaco, ou allons-nous d'abord travailler sur le moteur qui pourrait être vraiment bénéfique pour le Canada? On va voir ça d'ici justement ce Grand Prix d'Espagne où on préparera Monaco avec l'ensemble des points collectés le vendredi et le samedi matin. On continue ce tour. Vous avez vu qu'on a déjà complété à 6 tours et ce 7e et dernier tour se passe plutôt bien. De quoi être confiant pour un Grand Prix qui s'annonce correct. Alors les réglages de la voiture pour ce week-end avant les qualifications, je m'attends à une course qui devrait se disputer dans des conditions humides et donc j'ai un petit peu assoupli ma voiture, ce qui fait que dans certains secteurs elle n'est pas à l'aise avec des dérobades du train arrière. Vous le voyez encore ici dans ce troisième secteur, des voitures plus à l'aise m'entourent ici. Je suis un peu fébrile quand je vois comment se comporte la McLaren, mais j'ai bon espoir que les conditions soient plus humides pendant les qualifications et la course afin d'en tirer profit. Et on conclut le dernier tour de cette séance d'essai libre 3, dont on va découvrir le classement dans quelques instants. Et ça s'est plutôt bien passé pour nous. Faisons un œil au classement à la fin de cette séance. Voici à quoi ressemble le top 3. Ricciardo, Raikkonen et Max Verstappen. Merci d'avoir assisté à cette séance d'essai libre. Nous retrouverons bientôt toute l'émotion de la Formule 1. Bienvenue à Sochi. Nous nous apprêtons à rejoindre l'action sur la voie des stands où les voitures vont entamer leur séance de qualification. Voilà un circuit qui, d'après des pilotes bien plus expérimentés que moi, ne fera qu'une bouchée des pneumatiques arrière. La bonne gestion des pneus sera un facteur décisif ici, surtout en ce qui concerne les pneus arrière. Il est très facile de les surchauffer et les sorties de virages lents ont tendance à les malmener. Les Lotus et Ferrari en particulier ont souvent du mal à gérer l'abrasion, mais toutes les écuries vont en souffrir d'une manière ou d'une autre. La Q1 débute et tout le monde est à la même enseigne sous les nuages ici à Sochi dans le parc olympique avec les super soft montés. Quelques pilotes vont de nouveau tenter leur chance en soft, mais pour nous, pas de risque. Le but est bien évidemment de se classer dans le 11e rang. Évidemment, c'est l'objectif mis par McLaren, mais pour nous, notre objectif est toujours d'être en Q3 quoi qu'il arrive. Donc on travaille avec les gommes nécessaires et il est mentionné dans la météo que la séance Q1, Q2 et Q3 se déroulera sur piste sèche, donc pas de menace de pluie. Donc on va quand même taper dans les pneumatiques qui nous sont offerts pour ces trois séances. Ici un petit peu large dans ce deuxième secteur, vous allez vivre les tours des différentes séances en intégralité. Donc cette Q1, va-t-on réussir à se classer? Il n'y a pas de raison, la McLaren fonctionne bien. On attend également ce week-end des retours de différents pilotes. Pourquoi? Eh bien parce que ayant battu Fernando Alonso dans le début de saison, Stoffel Vandoorne va devoir maintenant s'attaquer à un autre adversaire et non des moindres, Carlos Sainz Jr. Un Espagnol peut toujours en cacher un autre, effectivement. Et le pilote de la Scuderia Toro Rosso est notre désormais rival dans cette année, avec pourquoi pas à la clé un contrat. On pourrait intéresser Franz Tost d'ici la fin de saison, puisqu'à la fin de l'année, McLaren devrait logiquement nous délaisser après cette première année. Les discussions ne sont pas en cours pour l'instant, mais on commence à faire de bons échos dans le paddock. En tout cas, on fait parler de nous dans cette première moitié de saison. Cette première moitié de qualification également, avec à l'issue de cette Q1, vous voyez, un tour qui se conclut difficilement avec quelques erreurs, mais malgré tout, un 1.41.708, bien loin des 1.40.603 de Nico Rosberg, mais ce sera, vous le voyez, suffisant pour nous permettre de nous qualifier. On passe comme les deux Mercedes, les deux Red Bull, les deux Ferrari, les deux Williams et une Toro Rosso. Malheureusement pour nous, Fernando Alonso échouera en super soft également aux portes de cette Q2. Q2 qui débute sous le soleil dorénavant. Les nuages ont laissé place à un peu d'UV sur la piste, de quoi faire chauffer ce tarmac qui en a bien besoin puisqu'il n'a pas été beaucoup gommé depuis le début de ce week-end de compétition suite aux différentes pluies qui l'ont nettoyé. Et vous voyez que le soleil est presque même gênant dans certains virages. La grande courbe à gauche ici qui me fait hésiter à faire évoluer cette voiture, notamment au niveau de l'appui de l'aileron avant, ce qui pourrait nous permettre de bien mieux rentrer dans certains virages et on en aura besoin dans certaines courbes. Le blocage des pneus ici, c'est jamais l'idéal de bloquer une roue, mais parfois c'est inévitable avec la répartition du freinage sélectionné. Premier secteur plutôt convaincant, ici encore de nouveau une petite erreur, quelques petits dixièmes qui s'envolent, mais l'objectif de passer en Q3 peut être tenu puisque seuls les Williams et les Toro Rosso peuvent nous gêner. Et on a notre chance puisque Fernando étant déjà bloqué en Q2, nous sommes désormais assurés de le battre.
à l'issue de cette deuxième séance, puisqu'il partira. On le découvrira derrière nous. On va découvrir le classement à la fin de ce tour, évidemment. Deuxième secteur dans le mauve, ça se passe bien. De nouveau un blocage de roue ici. Secteur 3 qui paraît un petit peu simple au niveau du dessin du circuit, mais que j'apprécie tout particulièrement. Romain Grosjean s'empare du meilleur temps, étant tout début de Q2, évidemment. Les premiers tours commencent à tomber, ça va être battu rapidement, je pense. Et quant à nous, eh bien, on a inscrit un 1.41.164 meilleur temps, mais provisoirement. À l'issue de cette Q2, découvrons donc les pilotes qui passeront en Q3, les deux Mercedes, les deux Ferrari, les deux Red Bull et surtout les deux Toro Rosso, de quoi être un petit peu embêtant puisque Valtteri Bottas et Fernando Alonso, eux, restent bloqués à la Q2 comme les Force India. Belle performance malgré tout de Kevin Magnussen. On se retrouve dans la voiture qui va être libérée de son garage dans l'ultime séance. On part de nouveau avec des pneus super soft. Au moment où Max Verstappen s'empare du meilleur temps en 1.40. Et bien nous débutons notre relais, c'est parti avec la McLaren, et c'est Vettel maintenant qui s'empare du tour le plus rapide dans cette Q3. Une seule tentative pour nous. La voici, cette tentative, on déclenche notre chrono, voilà, juste à la sortie ici. Et c'est parti, et c'est pour l'instant Nico Rosberg le meilleur dans le premier secteur et surtout au général. Il ne nous reste qu'à nous à effectuer un chrono. Tout le monde a déjà inscrit un temps dans cette Q3. Ça se passe bien, la piste est un petit peu plus gommée. On sent une petite différence tout de même. La voiture qui jongle bien dans les enchaînements également avec un petit changement au niveau de l'aileron avant. J'ai rajouté un petit peu d'appui sur le museau de cette McLaren en Q3, histoire de voir si je peux un peu mieux rentrer dans les virages. Et ça a l'air d'être porté ses fruits, vous voyez. Je suis beaucoup moins éjecté vers l'extérieur de la piste. Vous voyez que ça se passe de manière beaucoup plus stable. Donc un petit réglage qui aurait pu nous éviter quelques tracas en Q1 et en Q2. Donc pour l'instant, le week-end se passe bien. Malgré tout, un petit blocage dans ce tour qui est loin d'être parfait. Évidemment, avec cette McLaren Honda qui évolue bien et dont les espoirs continuent à faire rêver pour la fin de saison. Et cet objectif de 3 podiums qui, si vous venez de nous rejoindre pour la première fois, est l'objectif final du pilote belge Stoffel Vandoorne, qui, pour sa première saison, a pour l'instant presque rempli son contrat en étant 11e au classement général. On verra à l'issue de ce Grand Prix de Russie comment ça se passe. Le troisième secteur, alors qu'on ferme le DRS en touchant notre pédale de frein. Un beau tour, hein, pour l'instant, pas d'erreur, quelque chose de tout à fait correct qui pourrait nous offrir, pourquoi pas, une 3 ou 4e ligne si on a un petit peu de chance. On sait que les Mercedes sont intouchables, alors pourquoi pas battre l'une ou l'autre Ferrari qui sont un petit peu en retrait après un début de saison tonitruant. Les deux derniers droits de ce tour à 4 minutes 15 de la fin de cette Q3, vous le voyez en haut à droite. Et c'est terminé et on s'empare d'un très joli 5e chrono à moins d'une seconde de Nico Rosberg à l'issue de cette Q3. Découvrons la grille de départ avec donc Nico Rosberg qui partira en pôle devant Sébastien Vettel. Catastrophe pour Kimi Raikkonen, leader du championnat, qui ne partira qu'au 6e rang. Lewis Hamilton de nouveau en retrait par rapport à son équipier 7e. Belle performance de Massa qui se classe devant les deux Toro Rosso. Bienvenue à Sochi, où nous nous préparons à suivre le Grand Prix de Russie. Le championnat est loin d'être terminé, mais la bataille va être sans pitié sur ce circuit inauguré en 2014 et qui a déjà été le théâtre de belles courses. Construit sur les rives de la mer Noire, l'autodrome de Sochi vous offre sur 5,7 km un aperçu des infrastructures des Jeux Olympiques d'hiver de 2014. Les barrières en bord de piste rendent les dépassements dangereux, mais avec 56% du tour à pleine vitesse, nous allons avoir notre compte de vitesse pure. C'est une arène où s'affronte la crème du sport automobile. À mes côtés aujourd'hui, j'accueille Nicolas Martin en personne. La première année, ce circuit a connu un démarrage hésitant, mais depuis, il attire les foules et c'est devenu un événement populaire. Comment expliquez-vous cela ? D'après moi, cela montre simplement l'importance de résoudre les problèmes quand on les découvre. En 2014, avec l'arrivée des nouveaux pneumatiques, personne ne voulait prendre de risques, ce qui réduisait les options en termes de stratégie. En gros, vous couriez avec les mêmes du début à la fin. Mais ce fut très formateur, et à notre retour l'année suivante, nous avons assisté à un Grand Prix digne de ce nom, où le suspense était présent jusqu'au dernier tour. Espérons donc que nous serons aussi gâtés que l'an dernier. Super boulot hier, tu t'es bien mieux qualifié que prévu. Continue comme ça pendant la course.
Il est temps de voir ce qu'ont donné les qualifications d'hier en s'intéressant à la grille de départ. Nico Rosberg part en pôle au volant de sa Mercedes, suivi de Sébastien Vettel. En ce qui concerne le reste de la grille, Verstappen, Ricciardo, une McLaren et Raikkonen, Hamilton, Massa, Kvyat et Carlos Sainz, Bottas, Alonso, Nico Hülkenberg et Perez, Magnussen, Grosjean, Esteban Gutiérrez et Rio Arianto, Palmer et Ericsson, Felipe Nasser et Pascal Wehrlein complètent la grille de départ. La phase de préparation étant quasiment terminée, dirigeons-nous vers la piste. Bien, les vérifications sont terminées. Il faut rester en formation et amener la voiture à la bonne température. Fais travailler les pneus et les freins. Il faut que tout soit bien chaud d'ici la fin du tour. Et vous avez découvert la grille de départ et surtout les conditions climatiques dans lesquelles vont se disputer ce Grand Prix de Russie, quatrième manche du championnat du monde 2016 de Formule 1, avec une fine pluie qui a obligé l'ensemble des pilotes à monter les pneus intermédiaires, donc toute la stratégie, obligeant les pilotes à chausser deux types de gommes différents et désormais est caduque. Il va falloir maintenant s'en sortir du mieux que l'on peut. Dans le chef de différents pilotes, on a changé quelques réglages, ça n'est pas autorisé outre mesure, mais un aileron avant un peu plus important, ça a pu être fait. Vous découvrez donc la piste dans des conditions qui vont être difficiles, mais surtout ça va mettre en avant la teneur des pneus Pirelli intermédiaires qui pourrait permettre à l'ensemble du peloton, sauf catastrophe, et bien d'aller au bout sans marquer d'arrêt au box. C'est la stratégie retenue par bon nombre des pilotes en tête de course, évidemment. Quant aux pilotes avec des voitures un peu moins performantes, peut-être qu'un arrêt sera nécessaire pour compenser le manque d'appui et de performance de ces bolides. Vous avez vu en présentation de ce Grand Prix, donc les conditions sont assez particulières, mais surtout, eh bien, c'est la mauvaise performance de certaines voitures, notamment les Haas qui, sous la pluie, souffrent beaucoup, en plus d'avoir raté leur séance qualificative, et également les Force India qui sont un petit peu loin au 14 et 15e rang. Les pilotes reviennent tout doucement vers notre cabine et la grille de départ. On va assister à un départ qui sera sous haute tension. Il y a beaucoup d'enjeux avec devant les Ferrari qui doivent tenir, les Mercedes désormais bien installés en avance dans le développement, les Red Bull qui doivent confirmer leur position, les McLaren qui sont face à des Toro Rosso plus véloces que jamais. Quant à l'arrière du peloton, eh bien, il va falloir recorriger quelques tirs du côté notamment de Manor avec un abandon lors de la manche de Shanghai pour Rio Arianto qui doit se remettre, puisqu'il y a quelques pilotes qui lorgnent le baquet du pilote indonésien, notamment un certain Esteban Ocon qui pourrait peut-être faire son apparition dans le baquet de la voiture, le pilote Renault qui a été entreaperçu en discussion avec les responsables de l'équipe britannique. Les premières voitures sont en train de s'installer et d'ici quelques instants, le départ va être donné sans régime de voiture de sécurité ici à Sochi. Le reste de la grille se met en formation. Concentre-toi et surveille les feux. Les feux s'allument, la grille est en place. Quand ils s'éteignent, c'est parti. Départ du quatrième Grand Prix de la saison avec un mauvais envol pour l'une des Red Bull. Bon départ de Kimi Raikkonen devant. C'est Rosberg qui vire en tête juste sous le nez de Sébastien Vettel. Drapeau vert, que s'est-il passé derrière? Oh, deux voitures dans le rail. Une McLaren et une Toro Rosso sont allées dans le rail. C'est sans doute Daniil Kvyat, je crois, devant. Ça se passe plus proprement. Le contact entre les deux Red Bull au troisième virage. Lewis Hamilton peut-être en profiter pour remonter. C'est la foire d'empoigne dans le milieu du peloton. Drapeau jaune derrière, que s'est-il passé? Nous sommes à bord de la voiture du pilote belge Stoffel Vandoorne qui a pris un excellent départ. Pour l'instant, il est troisième, le pilote belge. Ça s'est un peu calmé, mais le peloton qui a subi pas mal de secousses au départ. On est avec Kimi Raikkonen juste derrière, mais le Finlandais qui s'est un petit peu loupé dans son départ, le leader du championnat qui va devoir déjà remonter quelques voitures devant lui, des voitures qui sont également à sa portée entre les Red Bull et les Mercedes. Ça devrait le faire. Derrière, un peu décroché, la Williams de Massa. De retour avec Stoffel Vandoorne, vous découvrez à quel point il est difficile de tenir ses monoplaces en sortie de virage. Ça bouge beaucoup
au niveau du train arrière, notamment les voitures qui ont été réglées un petit peu plus pour le sec. Lewis Hamilton maintenant en caméra embarquée dans ce premier tour, alors que devant il y a une attaque. Je crois que Van Dorn se fait attaquer tout simplement, et Lewis Hamilton qui va à son tour porter l'attaque sur Daniel Ricciardo. Est-ce que ça peut résister? Oh, ça ne résistera pas longtemps. Et c'était Max Verstappen, pardon, Daniel Ricciardo est juste derrière. Il y a beaucoup d'eau sur nos écrans et on ne voit pas grand chose dans cette cabine. Navré pour l'erreur. Vous êtes avec, voilà, Daniel Ricciardo ici. Derrière, voiture numéro 3. Qui suit donc Verstappen, qui est un petit peu plus lent, hein, le néerlandais. Permettant ainsi au pilote belge de la McLaren d'avoir un petit peu d'espace. Le premier tour est couvert sous le commandement de Nico Rosberg. Devant, Sébastien Vettel, Stoffel, Van Dorn. Suivent un petit peu derrière. Voilà, vous avez le train-train. Verstappen, Hamilton, Ricciardo, Raikkonen. Et ensuite, la première Williams. Confirmation de l'abandon de Fernando Alonso, le pilote espagnol, et de Carlos Sainz, les deux pilotes hispaniques qui se sont retrouvés tous les deux dans le rail. On reverra peut-être ce qui s'est passé d'ici quelques instants. En tout cas, ça continue de se battre avec eh bien, Max Verstappen qui, dans ses conditions humides, est condamné à laisser passer Lewis Hamilton, très incisif en début d'épreuve, alors que son coéquipier, lui, est en train de mener ce Grand Prix de Russie d'une main de maître devant Vettel et Van Dorn, alors qu'une voiture est au ralenti derrière, semble-t-il, une Williams qui perd beaucoup de temps. Vous voyez le peloton qui se divise sur la carte en bas à gauche de votre écran, et les limites de la piste pas toujours respectées par les différents pilotes, parce qu'il faut bien tenir ses bolides entre les lignes blanches, et c'est parfois un petit peu délicat. On le serait à moins avec le rythme de la McLaren qui pour l'instant suit ses adversaires. Elle n'est pas complètement lâchée dans ces conditions. Dommage malheureusement pour Fernando Alonso qui revient en ce moment même en scooter à pied devant nous. Salut la tribune principale de ce circuit de Sochi, parce que voilà, c'est terminé. On a pu évacuer rapidement les voitures, mais pas de safety car alors que deux voitures étaient dans le rail. On revoit justement, tiens, c'est intéressant, le départ depuis la monoplace du pilote espagnol. On voit Perez qui se glisse au milieu et on va voir d'où tout cela part. Ouais, c'est à contact avec... Oh non, c'est Kevin Magnussen! C'est Kevin Magnussen qui est allé percuter Fernando Alonso. Ce sont deux incidents différents qui ont amené les voitures dans le rail. Le départ justement maintenant depuis la Renault du pilote danois qui s'est bien envolé. Vous voyez que ça se gêne entre Alonso et la Force India. Et c'est Kevin Magnussen qui, regardez dans le rétroviseur, va voilà aller accrocher Fernando Alonso et Carlos Sainz. Et Magnussen qui va donc perdre du temps, ce qui explique le retour au box pour un changement de museau du pilote danois. Ce serait bien maintenant, voilà, de voir depuis la voiture de Carlos Sainz comment tout cela s'est déroulé. Il a été touché par la Force India qui avait pris un meilleur départ et qui avait refermer la trajectoire. Et voilà, pas beaucoup de choix là pour Carlos Sainz. Heureusement, les deux pilotes sont indemnes et ont pu rejoindre le paddock. Les Force India se sont bien remises de l'accident du début d'épreuve avec une lutte là avec le pilote allemand qui prend l'avantage sur son équipier mexicain. Perez qui doit céder face à Hülkenberg. Les Force India qui doivent aussi revenir un petit peu dans le coup. C'est pas la folie non plus après une arrivée polémique en Chine avec un Perez fou furieux sur Van Dorn qui est allé lui expliquer sa manière de penser après l'accident. Et Van Dorn est allé lui, quant à lui, s'expliquer avec Gutiérrez qui l'avait gêné plus que de raison. Et ça n'est pas la première fois en essai libre Gutiérrez qui a déjà s'était déjà attiré les foudres de notamment les pilotes Mercedes. Nouveau tour couvert ici à Sochi alors qu'on voit les deux Williams au premier plan brièvement qui étaient à la lutte. Et ça va s'échanger les positions devant, voilà, avec Bottas qui résiste à Massa. Et derrière, par contre, eh bien, retour de Perez devant Hülkenberg. Est-ce qu'il peut résister? Et non, il s'incline. Pas la peine de risquer de mettre les deux voitures dans le mur. Retour aux avant-postes de ce Grand Prix de Russie avec toujours la tête pour Nico Rosberg devant Sébastien Vettel, Stoffel, Van Dorn. Il y a un petit écart pris avec Lewis Hamilton qui remonte bien. Et on informe Van Dorn qu'il est plus à l'aise que ses petits camarades au niveau du premier secteur de ce circuit de Sochi. On va profiter un petit peu du son de cette McLaren.
Et après ces quelques instants passés en caméra embarquée, on retrouve la seule Toro Rosso en piste à la lutte avec une Force India qui décidément remonte bien. Il est décidé, Perez, à se racheter. Tout ça derrière la Williams Mercedes. Et les deux Force India qui remontent en tenaille ce peloton. Et pour l'instant, ça a l'air de bien fonctionner hein, pour Perez et Hülkenberg. Mais devant, il y a une Williams qui est un petit peu plus lente. C'est celle qui avait des soucis. On l'avait entendu à la radio de Van Dorn en début de retransmission. Il y a quelques ratés dans le moteur Mercedes. De nouveau, des problèmes pour les moteurs Mercedes. Les moteurs clients qui souffrent avec plusieurs casses. On a eu Bottas déjà à Bahreïn notamment. On a eu aussi Perez. Et ici, les Williams qui prennent cher, comme on dit, avec, regardez, voilà, Daniil Kvyat, le Russe, qui est boosté à domicile, va attaquer à l'extérieur Felipe Massa. Peut-être pas la meilleure solution, mais est-ce que ça peut passer pour le Russe avec la déficience moteur de la voiture du Brésilien? Il se retrouve côte à côte et le petit coup de roue qui explique à Massa qu'il doit s'écarter. Et par la même occasion, eh bien, c'est Perez qui s'infiltre. Derrière, il y a une Haas qui est à l'affût. Retour en tête avec peut-être un changement de position, en tout cas depuis le début de ce quatrième tour de course. Eh bien, c'est Van Dorn qui se retrouve dans la boîte de vitesse de la monoplace rouge de Sebastian Vettel, dans la vue peut-être d'aller chercher une deuxième place. On sait que eh bien, la déficience moteur de McLaren peut être gommée par les conditions de pluie qui nivellent un peu les performances, et on pourrait avoir à l'issue de ce Grand Prix quelques petites surprises. On rappelle deux abandons dans ce Grand Prix, c'est Carlos Sainz Jr. et Alonso. Tous les deux éliminés, ben, on va revoir d'ailleors en vue de télé, ça on ne l'avait pas vu, voilà les deux accrochages et les deux voitures qui terminent dans le rail, la réalisation qui nous repropose à cet instant de revoir ce qui s'est passé. Vous voyez qu'encore beaucoup de débris sont sur la piste. On a vu pas mal de pilotes se plaindre à la radio de ces débris dans un secteur très rapide, et malgré la pluie, le carbone reste très coupant. Ça explique pas mal de choses. On se rappelle que c'est une des raisons évoquées à l'époque lors de l'accident d'Ayrton Senna, les débris laissés par les voitures de Gigi Leto et Pedro Lamy. Ici, Van Dorn qui attaque à l'intérieur Vettel. Il laisse la place au pilote allemand, il ne va pas le pousser au-delà des limites, et tout cela profite évidemment à Nico Rosberg hein, qui file de mieux en mieux. Et c'est passé, et la voiture de Vettel qui est au ralenti. Vettel qui s'est complètement loupé là, peut-être une vitesse. Et oui, il va même se faire attaquer à l'extérieur par Lewis Hamilton. Regardez, on passe dans les débris restants de la McLaren que j'évoquais tout à l'heure. Et voilà, Vettel qui vient de perdre deux positions, peut-être même une troisième, si eh bien, Max Verstappen peut trouver l'ouverture. Ce n'est pas le cas, heureusement. Vettel là, qui a pris deux positions de moins sur très peu de distance. Van Dorn, du coup, deuxième avec la grosse dérobade pour la McLaren, contrôlée fort heureusement, mais on a failli terminer dans le mur. Hein. C'est ce qui s'était passé au niveau des premiers essais libres. Il a fallu reconstruire la McLaren. Ils ont perdu du temps avec une géométrie et un train avant gauche à refaire complètement. Le châssis, heureusement, n'était pas touché, mais le fond plat n'était pas prêt. Il a fallu le retravailler, ce qui a perturbé fortement les essais du Belge. Et là, c'est le classement qui risque d'être fortement affecté avec une brochette de champion du monde à ses trousses entre Vettel et Hamilton, plus les petits camarades derrière. Ça risque d'être difficile de maintenir cette deuxième position encore longtemps, même si Rosberg en profite. Vous avez un clin d'œil sur le taux d'usure et les températures de la voiture. Pour l'instant, tout se passe bien. Peut-être une attaque à venir pour Hamilton qui ne va pas mettre longtemps à prendre la McLaren en défaut. Et voilà. Et non, ça ne passe pas. Hamilton qui a été opportuniste, mais ça n'a pas payé. Et vous voyez que derrière, les deux Red Bull, les deux Ferrari sont en attente. Hein. C'est vraiment de la course d'attente pour eux. Et je crois que derrière, ce serait bien une Haas, à moins que ce soit une Williams. Mais je parfois confonds les deux livrées. Non, c'est bien une Williams, autant pour moi, celle de Valtteri Bottas qui, elle, se porte bien comparé à Felipe Massa qui perd toujours entre, on regarde entre 4 et 6 dixièmes au tour avec ses problèmes visiblement de moteur. Pas d'arrêt au stand pour l'instant, personne ne devrait stopper avant au moins la mi-course, et un nouveau tour bouclé pour Stoffel Van Dorn. Et c'est Nico Rosberg qui reste le leader dans cette sixième boucle, peut-être ici avec l'aspiration, l'attaque d'Hamilton qui pourrait s'emparer de la deuxième place et ainsi mettre voilà les deux flèches d'argent aux commandes de ce Grand Prix. C'est maintenant chose faite. Vous voyez donc Hamilton, Van Dorn, Vettel et les Red Bull. Et ça reste très serré tout ça.
Oui, Van Dorn, vous voyez la glissade et on est obligé de corriger chez McLaren. La voiture qui souffre littéralement d'un manque d'appui, mais qui tient le rythme. Je pense à la surprise de beaucoup de monde dans l'équipe McLaren. On ne s'entendait pas être à pareil fait. On espère juste qu'il ne pleuvra pas du côté de Monaco hein, dans deux courses. Il y aura d'abord escale à Barcelone en Espagne, un autre Grand Prix qui sera important pour beaucoup de monde. Notamment Carlos Sainz qui devra se racheter après l'abandon ici et Fernando Alonso qui devra être aussi à son affaire. À bord avec la Manor de Pascal Wehrlein, enfin deux pelotons entourés en sandwich des deux Sauber, les deux Sauber donc qui sont devant et derrière la Manor. Arianto quant à lui est encore plus loin. Devant on voit une Haas en lutte avec une Renault. Ça ne décolle pas beaucoup pour les monoplaces américaines ici. Est-ce qu'avec l'aspiration on pourrait voir la Manor porter une attaque sur la Sauber? Ça pourrait être le cas, qui sait. Est-ce que derrière Felipe Nasser pourrait également se faufiler? Eh bien, on ne le saura pas, tout simplement, mais ça m'aurait étonné que la Manor ait la capacité mécanique d'aller chercher le moteur Ferrari des Sauber. Retour avec Van Dorn, troisième. Vous voyez qu'Hamilton a très vite pris son espace. Hein. Il n'est pas resté longtemps derrière le pilote belge. Il a très vite lâché, se rendant compte que ça ne servait à rien mener une guerre perdue d'avance quasiment. À seulement quelques mètres du podium, retour avec Max Verstappen, toujours à la poursuite des voitures devant lui. Le podium est pour l'instant toujours tenu, vous l'avez vu, par Stoffel Van Dorn, avec qui on a vécu quelques tours de cette piste de Sochi. Oh, et ça part au large pour Van Dorn, il suffit de le dire pour que les virages ne se passent pas bien. Et Vettel peut passer. Et est-ce que ce sera suffisant? Non, toujours des problèmes de relance pour la Ferrari, mais ça n'est pas terminé. Un probable retour du pilote allemand en bout de ligne droite, mais il doit lorgner également dans ses rétroviseurs. Verstappen, lui, a correctement pris le dernier virage. Oh, la McLaren ne peut absolument rien, là. La Ferrari qui ne peut pas déboîter, c'est trop tard et ça va encore tenir un tour. Mais pendant ce temps-là, derrière, ça se rapproche avec donc Ricciardo, Verstappen, Raikkonen et Bottas. Et vous découvrez avec quelle difficulté ces voitures tiennent. À la limite, on soulage même hein, tellement... Il y a un manque d'adhérence et pendant ce temps-là, Nico Rosberg, lui, poursuit son cavalier seul en tête avec un retour de Lewis Hamilton qui grappille l'équivalent d'une demi-seconde sur le pilote allemand à chaque tour. De quoi bien nourrir quelques regrets hein, d'être parti un peu plus loin que Rosberg. Mais Rosberg, vous le voyez, continue en tête seul avec une piste bien libre, pas de retardataire autour de lui pour l'instant à mener eh bien, ce Grand Prix de Russie, ce qui ferait du bien au pilote allemand. Si ça va jusqu'au bout pour les points au classement général. On va jeter un œil un peu derrière. Voilà, retour avec Van Dorn, toujours troisième. Vettel n'a pas trouvé encore la solution. Mais la McLaren qui ne bouchonne pas outre mesure, puisque la Ferrari a beaucoup de problèmes, notamment en relance de virage, où, vous voyez, il y a encore quelques mètres entre Van Dorn et la Ferrari. Bon, la Van Dorn qui est allée mettre deux roues dans l'herbe là, à la sortie de ce virage. C'est peut-être l'erreur qu'il ne fallait pas faire pour que, voilà, Raikkonen derrière en profite aussi, on l'a vu. Et Vettel lui est passé pendant ce temps-là. Raikkonen derrière qui était très chaud pour attaquer, mais ça ne s'est pas fait. Donc Vettel qui lui par contre est passé sur Van Dorn au premier plan. Ça n'était pas l'image que moi j'avais dans ma cabine, navré pour cela. Mais il y avait un autre plan, on voyait derrière Raikkonen très très proche des deux Red Bull. Et on s'attendait plutôt à une attaque de ce côté-là. Mais maintenant... Le podium est désormais en possession de la Scuderia Ferrari. Vous voyez justement les deux Red Bull avec Raikkonen derrière, très pressant sur Daniel Ricciardo. Alors attention parce que derrière...
Le pilote belge, c'est Max Verstappen. Et depuis le début de saison, ces deux-là se sont déjà donné quelques coups de roue. Et il ne faudrait pas... Ouais, le contact, Verstappen qui va percuter Stoffel Vandoorne et le pilote néerlandais qui est au ralenti maintenant, perdant ainsi beaucoup de temps. Il va devoir laisser passer Ricciardo, Raikkonen et Valtteri Bottas. Catastrophe pour le néerlandais qui va devoir opter pour la voie des stands. L'aileron avant est cassé sur cette Red Bull. Et devant, voilà Raikkonen qui va finalement porter son attaque sur l'autre Red Bull, celle de Ricciardo. Et malencontreusement... Vandoorne qui a freiné en plein milieu de la piste, obligeant Verstappen à pousser. La voiture, alors pas de dégâts visiblement du côté de Vandoorne qui continue. Par contre, Verstappen, ce sera l'obligation de passer par la pit lane d'ici quelques instants. Et il perd beaucoup de temps. Et oui, devant, voilà qui est revenu maintenant. Valtteri Bottas, Raikkonen et Ricciardo, le trio maintenant. À la poursuite de Vandoorne qui, suite à cela, a bien récupéré pas mal de secondes, de dixièmes et d'air, surtout dans ses rétroviseurs. Oh, est-ce que Raikkonen peut déjà aller chercher Ricciardo? Non, ça n'est pas possible. En tout cas, belle déception pour Verstappen. Valtteri Bottas, lui, a une belle opportunité de se racheter après un début de saison difficile et la casse d'un moteur à Bahreïn. Il suit pour l'instant les deux voitures devant lui. Oh, un problème! Que se passe-t-il? Et c'est l'arrêt! La voiture de Valtteri Bottas qui stoppe près des commissaires. Que s'est-il passé? On n'a pas vu d'explosion moteur, mais la voiture de Bottas est arrêtée. Drapeau jaune dans le premier secteur de ce circuit de Sochi. Alors, est-ce que ça peut repartir? On le souhaite pour éventuellement glaner un ou d'autres points, mais c'est drapeau jaune et c'est terminé, semble-t-il, pour Valtteri Bottas qui tire son volant. Avec Rio Arianto qui lui aussi avait cassé son moteur. On voit la Williams s'arrêter sur le côté. Les commissaires restent loin du châssis britannique qui n'est peut-être pas complètement sécurisé. Vous savez qu'avec les systèmes électroniques, parfois avec de KERS et de DRS, surtout avec la pluie, et avec les systèmes de KERS, il est parfois risqué de s'approcher trop vite d'une monoplace qui vient de stopper. Un petit voyant lumineux existe pour indiquer aux commissaires si oui ou non la voiture peut être manipulée. En tout cas, toujours drapeau jaune, hein. La voiture n'est toujours pas retirée dans ce virage. Vandoorne qui a perdu pas mal de temps. Et on se retrouve en caméra embarquée avec Max Verstappen, le néerlandais de nouveau coincé entre les Sauber et les Manor. Effectivement, il a observé son arrêt au stand, il a des gommes neuves, donc il est forcément plus rapide que les voitures qui l'entourent, mais encore faut-il les dépasser. Ça semble être une manœuvre encore compliquée. Et Vandoorne, lui, continue. 11 tours couverts dans les 27 que comprend ce quatrième round de la saison. Et toujours des difficultés pour tous les pilotes. Ici, c'est fait. Verstappen qui attaque. Verstappen qui est passé devant Marcus Ericsson. Les Sauber sont désormais derrière le néerlandais. On revient avec le direct de Vandoorne qui s'est fait rattraper par Daniel Ricciardo et Kimi Raikkonen. Et on devrait observer rapidement, je pense, une attaque en bout de ligne droite pour la monoplace autrichienne bien plus véloce que celle de Vandoorne. En caméra embarquée avec le leader du championnat, et ce ne sera sans doute plus le cas à l'issue de ce Grand Prix. Nico Rosberg devrait revenir en tout cas très très fort sur Kimi Raikkonen. On fera bien évidemment les calculs en temps voulu, mais pour l'instant ça paraît bien mal engagé pour le Finlandais. Après un départ assez impressionnant, la Scuderia Ferrari subit un petit peu depuis deux courses la loi des Mercedes, moins une des Mercedes depuis la manche de Shanghai. Alors, est-ce que ça va suffire? Ici ils paraissent un petit peu loin, mais par contre Raikkonen peut lui revenir sur la Red Bull. Est-ce que Raikkonen peut porter une attaque sur Ricciardo? Eh bien non, ça ne bougera pas dans ce tour. On retrouve Stoffel Vandoorne en caméra embarquée. Oh, et l'attaque de Ricciardo finalement qui est allée en extérieur. C'était un peu osé, mais est-ce que ce sera suffisant? Là, il va avoir l'avantage étant sur la gauche de la piste. En plus, il y a beaucoup d'eau là où se trouve la McLaren. Et non, malheureusement, Raikkonen ne peut pas en profiter. Et ça glisse au cinquième rang pour la McLaren. Oh, et peut-être un retour, attention, avec l'aspiration. Peut-être que cette fois-ci, la McLaren peut avoir un avantage. Et voilà, suffisant par... Oh non, l'arrêt au stand de Ricciardo! Et ça a failli coûter très cher à Vandoorne qui a failli se faire tasser dans le mur et être obligé de rentrer.
Heureusement, il a coupé tout juste la trajectoire du pilote australien, mais les deux Red Bull étaient donc planifiés pour observer un arrêt au stand. Et c'est dommage parce que ça va leur empêcher de ramener de gros points, à moins que en fin de course, la différence avec les pneus usés soit tellement importante qu'ils y gagnent quelque chose. Raikkonen va y gagner une position d'ici quelques instants, je pense, et avec cette manœuvre, c'est passé pour le pilote finlandais. Les deux Force India toujours à la bagarre, elles ne se lâchent pas depuis le début de l'épreuve. Et le moteur qui casse, c'est pas possible! Le moteur cassé pour l'une des voitures qui est, c'est Hülkenberg qui va de nouveau devoir abandonner. Nouvel abandon de Nico Hülkenberg sur casse moteur, mais quelle malchance pour le pilote allemand! Est-ce qu'il va savoir s'arrêter? Oui, ça y est, le moteur qui est en train de vraiment donner son dernier souffle, et drapeau jaune! Et Marcus Ericsson qui passe à la hauteur de la voiture, décidément. Les choses et les événements s'enchaînent dans ce Grand Prix de Russie. Le blocage de route Van Dorn un peu plus tard au 14e tour. Et ça va passer pour Kimi Raikkonen. Voilà la Ferrari qui se passe bien volontiers de rester derrière la McLaren. Mais ce n'est peut-être pas terminé. Oh, attention à l'intérieur parce que là Van Dorn il doit faire attention à ne pas aller toucher la Ferrari. La McLaren qui s'est retrouvée dans une position un petit peu délicate. Et donc c'est l'abandon, le nouveau retrait d'une Force India. Décidément ça va commencer à faire beaucoup. Je pense que Vijay Mallya va aller toquer à la porte de Toto Wolff pour demander ce qui se passe avec ses moteurs, parce que là ça fait beaucoup de casse pour les blocs allemands depuis le début de la saison. C'est déjà, je pense, le cinquième moteur à rendre l'âme, à vérifier, mais pour l'instant c'est 5 pour McLaren. Pour le reste, c'était des boîtes de vitesse qui avaient rendu l'âme pour Sergio Perez à Bahreïn notamment. Et on notera la sixième place qui n'est pas provisoire, qui est vraiment réelle, de eh bien, Daniil Kvyat, rétrogradé chez Red Bull par Helmut Marko au rang de pilote Toro Rosso, alors qu'il avait un contrat pour aller chez Red Bull en début d'année. Finalement, ça ne s'est pas fait. Eh bien, c'est depuis le baquet de sa Toro Rosso qu'il démontre son talent, et il est poussé par tout un peuple, littéralement. Daniil Kvyat, et il s'en sort plutôt bien dans ce 15e tour de course, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, avec un Stoffel Vandoorne qui part de nouveau à la faute. Quelques approximations pour le pilote belge, mais c'est le cas de beaucoup de voitures. Un petit bond dans le temps, retour au 20e rang, rien de bien intéressant pendant 5 tours, si ce n'est le retour de Daniel Ricciardo, qui, rappelez-vous, était passé par les stands de chaussée. Un nouveau train de pneus intermédiaires, et grand bien lui fasse, puisqu'après avoir repris quelques positions, le voici maintenant aux trousses de la 5e place de Stoffel Vandoorne, après s'être débarrassé de Daniil Kvyat. Et il va falloir maintenant eh bien, faire le forcing pour dépasser la McLaren et tenter, pourquoi pas, de se classer 5e de ce Grand Prix de Russie, ce qui serait une belle récompense, un beau lot de consolation pour le pilote australien, qui a été plutôt malmené depuis le début de l'épreuve. Mais il n'est pas encore assez proche, je pense, de Vandoorne pour porter une réelle menace au pilote belge, qui conclut donc le 20e tour avec, vous voyez, un rythme bien plus lent que lors des boucles précédentes. 2 secondes de retard, les pneus sont en train de bien s'user, et ce n'est pas le seul à commencer à commettre quelques petits impairs sur cette piste de Sochi. Le retour de la Red Bull dans les rétroviseurs de la McLaren, mais ça ne suffit pas. Oh, le blocage de route Van Dorn, ça va peut-être aider Ricciardo à passer. La Red Bull qui est sur la droite, mais est-ce que Van Dorn va résister? Oui. Oh, attention, parce que c'est un jeu très risqué là, à ne pas pratiquer trop longtemps dans de telles conditions. Conditions qui n'ont pas beaucoup évolué hein. Pour l'instant, difficile d'espérer passer en pneu slick avant l'arrivée ou en pneu wet. L'appui reste un crachin. L'écart avec la voiture qui te précède est de 14,3 secondes. Et 14 secondes de retard sur Raikkonen, qui, quatrième, pourrait sauver sa peau en tête du championnat. Ramenant au sein de la Scuderia Ferrari le score de 12 points. Alors que eh bien, du côté de Rosberg, on en ramènerait 25. Et je ne pense pas qu'il y ait tant d'écart entre les deux. Bref, beaucoup de choses peuvent encore se passer dans les 6 dernières boucles de cette épreuve russe. Et on reste effectivement attentif à ce qui va se passer avec la McLaren de Stoffel Vandoorne. On devrait voir peut-être un petit point de vue du côté de la voiture de Ricciardo pour voir ce qui se passe, parce que là,
Derrière lui, il y a une autre voiture qui revient. C'est celle du pilote russe Daniil Gviat, qui chaque fois qu'il passe sous notre tribune fait trembler les gradins. Notre cabine se situe juste au-dessus de la tribune principale. Et regardez, voilà, il suffit de demander. On n'a pas beaucoup vu d'ailleurs Daniel Ricciardo lors de cette course, mais là on le voit bien depuis le héros national Daniil Gviat, dernier représentant de la Scuderia Toro Rosso après l'accident au départ impliquant les deux pilotes espagnols Sainz et Alonso. En tout cas, nouveau tour couvert, il va en rester 5 maintenant. Et regardez, est-ce que la menace Ricciardo est réelle? On va voir ça en vue globale. L'attaque peut-être, le décalage? Non, ça n'est pas encore pour ce tour-ci, pour Ricciardo qui prépare son attaque pour être sûr de son coup à bord maintenant de la monoplace autrichienne. Oh, attention pour Van Dorn, ça glisse, hein. Ça glisse énormément dans ces dernières boucles. Et résister au pilote australien sera compliqué. Et l'erreur de nouveau de Van Dorn, vous voyez, il n'en faut pas plus à Ricciardo pour revenir. On était pendant quelques instants au cœur de la McLaren. Mais c'est compliqué, regardez, voilà, il n'y a plus du tout de grip à l'avant et ça va passer pour Daniel Ricciardo. Oh, le retour en piste plutôt limite du pilote belge. Décidément, entre Verstappen et Van Dorn, les pilotes du Benelux donnent des sueurs à certains membres du peloton depuis le début de saison. Et malheureusement, au désespoir et au cri que l'on vient d'entendre dans la tribune, ça n'est pas passé pour Daniil Gviat, mais ça n'est pas terminé pour le pilote russe. Même si on sait que le troisième secteur est le préféré de la McLaren, contrairement aux apparences, c'est celui où elle se débrouille le mieux. Et toujours un passage de la puissance assez délicat pour les machines de walking. La machine de walking, effectivement, puisque eh bien Alonso ne fait plus partie du peloton. On rappelle les abandons, donc Sainz, Alonso et Nico Hülkenberg. Kevin Magnussen a également dû stopper. Il n'est pas indiqué sur notre écran, mais Kevin Magnussen est en fond. Il n'est pas déclaré comme abandonné, mais est à l'arrêt dans son box. Ça va peut-être partir, alors que devant, on assiste à un potentiel retour de la McLaren. Est-ce que ça va déboîter au freinage du bout de la ligne droite pour Van Dorn? Et non, ça reste de l'intimidation, mais je ne pense pas que la McLaren ait ce qu'il faut sous le capot pour résister et surtout revenir sur la Red Bull. Quoique, on est proche chez McLaren de pourquoi pas aller chercher un top 5. Ce serait le premier de la saison. Et ça compenserait surtout la perte d'Alonso, hein, qui empêche peut-être quelques points d'être récoltés par McLaren. Par contre, là, la Red Bull, depuis le début de ce 23e tour, est plutôt au ralenti. Vous voyez la consommation de gomme estimée par nos soins, avec 50% plein sur le train arrière. De quoi expliquer les dérobades nombreuses du pilote McLaren. Un tour plus tard, vous le voyez, statu quo, ça commence à s'éloigner du côté de Ricciardo, mais ça ne revient pas du côté de Daniil Gviat, qui... sauf erreur ou grosse dérive de la McLaren devant lui, ne pourra pas aller rechercher la sixième place qui sera donc attribuée au pilote McLaren. L'équivalent de cette position devrait normalement revenir à une voiture un peu plus puissante, mais la McLaren a bien évolué depuis le début de cette saison. Et l'occasion de faire un petit point après 4 épreuves dans ce Grand Prix pour bien constater ce qu'il s'est passé tout au long des épreuves avec une McLaren qui a bien évolué, des Ferrari qui sont un petit peu en perdition. On espère que ça pourra revenir pour la Scuderia Ferrari qui pour l'instant fait donc un beau début de saison, et ça glisse dans tous les sens pour Stoffel Vandoorne. On n'est plus à une dérobade près là du côté du pilote belge. À l'entame de l'avant-dernier tour, Stoffel Vandoorne toujours sous la menace de Daniil Gviat, qui reste à quelques secondes, mais ça semble entendu pour le pilote belge qui devrait, sauf catastrophe, terminer au sixième rang de cette épreuve. Une fin de course plutôt calme après avoir eu quelques passes d'armes assez intéressantes. Tous les pilotes sont dispersés sur le circuit à quelques secondes les uns des autres, donc plus de réelles bagarres pour des positions importantes. Seules quelques voitures se sont regroupées en fin de peloton, mais devant, le retour de Lewis Hamilton sur Nico Rosberg paraît vain, puisque l'écart entre les deux pilotes
certes se réduit, mais il n'aura pas assez de temps, Lewis Hamilton, dans ses deux derniers tours pour aller rechercher son coéquipier. Et il est temps d'en finir pour beaucoup de voitures qui sont à l'agonie avec les pneumatiques. Un Grand Prix un petit peu décevant, c'est le premier Grand Prix de la saison qui, pour d'un avis neutre, ne tient pas toutes ses promesses avec un vainqueur rapidement au commandement et peu de stratégie, peu de dépassement également. Seuls quelques bagarres ont animé ce Grand Prix de Russie. On espère que le spectacle sera de retour pour la prochaine manche. Ce sera donc à Barcelone, soyez au rendez-vous. Sur le circuit de Catalogne, un circuit qui devrait convenir aux Mercedes puisque la vitesse de pointe est un point très important. Et pourquoi pas aussi profiter d'un certain avantage du côté de chez Red Bull. Le dernier tour vient d'être entamé par les leaders. Nico Rosberg est passé, Hamilton également. On va en terminer avec la souffrance de beaucoup de pilotes aujourd'hui. Parce que là, c'est un Grand Prix qui était beaucoup, 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 beaucoup controversé avec un départ qui aurait peut-être dû, selon certains, se donner sous régime de voiture de sécurité. Mais Dieu merci, ça n'a pas été le cas et on a pu profiter pleinement de la compétition aujourd'hui à Sochi. Puisque 5 minutes avant le départ, il y avait une grosse pluie qui s'est abattue. Mais le drainage de cette piste étant... assez réussi, pas de soucis à ce niveau-là et on a pu démarrer dans des conditions normales, fort heureusement. Dernier tour pour des moteurs qui vont également avoir souffert ici entre les sur-régimes et les sous-régimes de certains virages. Les réglages pour le sec effectués hier, donc on comprend que certains blocs ont souffert, mais ça fait quand même beaucoup pour Mercedes. Il va peut-être falloir se tracasser de la fiabilité de ce moteur client pour... la marque à l'étoile. Et dans les derniers secteurs, vous voyez que ça revient malgré tout. Peut-être qu'on lâche aussi un petit peu de régime, hein, de rythme sur les moteurs pour les différentes voitures comme celle de Van Dorn qui laisse revenir la Toro Rosso mais qui gère normalement correctement son écart. On espère qu'il n'y a pas un problème sur cette McLaren dans les derniers mètres. Et vous ne le voyez pas à l'image, mais victoire de Nico Rosberg qui remporte ce Grand Prix de Russie. Il passe, voilà, devant nous. Victoire de Rosberg, deuxième place pour Lewis Hamilton. Les deux flèches d'argent qui vont faire très fort au classement constructeur. On attend la suite des pilotes. Kimi Raikkonen qui passe quatrième. Beau résultat également pour les Ferrari. Et enfin l'arrivée de Stoffel Vandoorne derrière Daniel Ricciardo et juste devant Daniil Kvyat. Beau travail, tu as été excellent. Tu as piloté comme un chef. Très belle performance de Mercedes. C'est une nouvelle victoire historique. Comment expliquez-vous ce triomphe, Nicolas Martin ? Il est essentiel de maintenir une bonne température des pneus lorsqu'il pleut. Quoi qu'il arrive, l'adhérence est réduite, mais c'est bien pire si vos pneumatiques sont froids. Maintenir la gomme dans la bonne plage de température leur a donc permis de prendre l'avantage. Voici les pilotes qui monteront sur le podium après cette course d'anthologie. Comme bien souvent, ils ont excellé ici et cette victoire est amplement méritée. Mercedes est à l'honneur aujourd'hui. Voyons à quoi ressemble le classement pilote. Le leader est descendu au classement à la suite d'un mauvais résultat. Alors Nicolas Martin, quel pilote a réalisé la meilleure prestation aujourd'hui ? Pas facile à dire, mais je pense que Pascal Wehrlein a été le plus méritant. Nous l'avons suivi dans plusieurs autres championnats et c'est un plaisir de voir son talent se confirmer en Formule 1. Et on découvre ensemble le classement final de cette course avec la victoire de Nico Rosberg devant son équipier Lewis Hamilton pour 11 secondes. Victoire autoritaire du pilote allemand. Notre allemand termine sur le podium, c'est Sébastien Vettel, troisième devant Raikkonen
qui a fait une belle remontée. Ricardo Van Dorn devant Daniil Kvyat. Belle performance finalement de Max Verstappen qui, malgré son arrêt au stand, termine 10e. Le classement global avec la tête toujours malgré un début de course difficile pour Kimi Raikkonen devant Lewis Hamilton et Nico Rosberg. Ça ne bouge pas. Au classement des constructeurs, on va voir que ça se passe bien sans problème pour l'écurie Mercedes qui reprend l'avantage devant, qui garde l'avantage face à Ferrari, Red Bull et Toro Rosso. Très impressionnant. Et quatrième, cinquième place également impressionnante pour Sergio Perez qui, pour Force India qui, malgré l'abandon d'Hülkenberg, s'en sort bien avec Sergio Perez. Voilà ce qu'il y avait à retenir de la quatrième manche, alors que vous voyez, il fait très sombre dans le ciel de Sochi. On se donne rendez-vous pour, on l'espère, du soleil, des jolies filles et des beaux dépassements. Ce sera du côté de Barcelone en Espagne. Merci à toutes et à tous pour votre attention et votre fidélité, et à la prochaine. Ciao.